Salut! Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième mission de la Team Monument. Cette fois-ci, nous allons vous parler du belvédère de Saint-André-les-Lilles. Il est situé en face du collège Jean Moulin, ce qui nous a permis d'aller prendre des photos que voici. Le belvédère est situé à l'intersection de la rue Vauban et la rue Molière à Saint-André-les-Lilles. On peut le voir depuis le stade Jean Cabi, de la piscine et bien évidemment de notre collège. C'est sans doute le monument le plus célèbre de notre ville. Le belvédère, aussi appelé pavillon de Louis XVI, est un pavillon de chasse qui a été construit vers 1760 par Charles Cornille. C'est un monument historique pour les Andrésiens et même tous les Lillois. Il a été classé monument historique en 1921. Pas mal quand même! Et ouais! Charles Cornille était un riche marchand de chevaux à Lille et conseiller du roi. Oh, une abeille! Il a construit ce belvédère sur une propriété achetée auprès de faïenciers lillois nommés les Boussemards. Du haut de ses pavillons, on a une belle vue sur la campagne et les remparts de la citadelle de Lille, construite par Vauban. Waouh, ça doit être joli! Le belvédère se visite lors des journées du patrimoine. Les gens, ils rentrent comme ils veulent ici. Mais c'est qui celle-là? Je suis Océane, de l'émission de Les Petites Créas. Bon, merci, okay, okay, merci, au revoir, au revoir. Donc, qui se déroule en 2023, le week-end du 16 au 17 septembre? Ça doit être super sympa d'y aller. Ouais, j'avoue. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à... liker, partager, commenter, activer la cloche. Gring, gring. Et surtout, n'oubliez pas de regarder Les Petites Créas. Et surtout, vous abonner! À bientôt pour le numéro 3! Salut!